Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la revue des titres de ce matin que nous démarrons par le quotidien maison Prime News Monde. Europe, le mouvement Ensemble France travaille avec la principauté du Liechtenstein monarchie. Rentrée scolaire 2024-2025, 300 000 enfants dans les bonnes grâces du gouvernement. Mauloud 2024, le dimanche 15 septembre férié et chômé au Bénin. La nation à présent, moteur de croissance économique, des perspectives heureuses pour le secteur avicole. Conseil économique et social, les clés de réparation des 51 sièges du Parlement. Bénin intelligent, mise en œuvre du PHG, nouvelle saison de reddition de comptes, gestion 2025. Le Parlement se dote d'un budget de plus de 29 milliards. Le Béninois libéré informe. Affaire mafia foncière à Boycon. Des personnes en détention provisoire, 3 personnes libérées et d'autres en fuite. Parlement béninois. Le budget gestion 2025 adopté à l'unanimité. Dynamisme et faux titres. Présidentiel de 2026. Le dauphin est-il l'homme depuis un bon moment plus opérationnel sur le terrain, s'interroge le journal. École gratuite pour les filles jusqu'en terminale. Étendre la mesure aux communes non encore couvertes. Matin libre. Éclairage routier sous Patrice Talon. Tout pour les nouveaux as. Promotion du tourisme et mutualisation des ressources, le Bénin et le Nigeria s'engagent. Dabarou informe. Médias au Bénin, la ministre Aurélie Adam Soulé garantit son soutien à l'UNAMEL Bénin. Commune de Tchaourou, un agriculteur arrêté à cause de la nature de sa production. Prime News Monde pour finir, affaire dominicale à Boycon. Des autorités dans les mains de la justice. Bénin, 2431 AME déployés au profil de l'année scolaire 2024-2025. Cérémonie de sortie des enfants. Une pratique sociétale presque oubliée. Chers amis internautes, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. C'est sur cette belle citation de Henry Ford qu'on se dit à la prochaine.